Je peins des toiles depuis 1976. Eh ben, j'étais marqué très jeune par la bande dessinée. J'en lisais beaucoup à ce moment-là. Et très tôt, je voulais en faire mon métier. Alors, j'avais beaucoup de petits dessins que je faisais à droite, à gauche. C'était jamais des travaux achevés. Puis en 1983, j'ai tenté l'expérience avec un ami scénariste. On a réalisé une bande dessinée de 52 pages. Ça m'a demandé 4 ans de réalisation. Maintenant, depuis le temps, seule la peinture représente mon expression. J'affirme mes goûts pour le jazz, la mer, notamment le port de La Rochelle, qui se trouve tout proche, donc c'est un moyen d'inspiration multiple. Un loisir, c'est mon moyen à moi de me défouler, de représenter des images, des rêves. Justement, le port de La Rochelle me donne l'envie d'essayer de représenter des choses que l'on ne voit plus aujourd'hui, à savoir les pêcheurs, les bateaux, que je n'ai pas eu l'occasion de connaître à ce moment-là à La Rochelle, et qui aujourd'hui n'est plus qu'un port de tourisme.